Les pompiers sont déjà sur place. Ils ont prodigué les premiers soins. Bonsoir les pompiers. Madame m'a l'air un peu hystérique intérieurement. Ouais. Donc bon, c'est un problème. Ils peuvent pas s'approcher. Problème familial, bagarre familiale vers les deux personnes. Et ça dégénère un peu. On va le faire. On va sa petite pute qui est là-bas. Madame, qu'est-ce qui se passe donc? Son mari m'a pris à bout. Alors, il vous a mis à bout, pourquoi? Ce matin, là, pour les conneries, parce qu'il en a marre de ma gueule. C'est la première fois que ça arrive ou c'est déjà arrivé auparavant des histoires comme ça, des... Vous avez des problèmes de couple depuis longtemps? Bah oui. Lui aussi, il y a marre de moi, il y a des chiens, putain. Vous avez des enfants ici? Je fais sauter par tout le monde. Un garçon, il a quel âge? Il a quel âge, votre garçon? 9 ans. Le petit garçon s'est réfugié à l'étage, lorsque la dispute entre ses parents a dégénéré. Une vitre a volé en éclats. Les deux époux sont blessés. Ça saigne, madame? Je sais pas, je m'en fous. Ça saigne. On va discuter un peu avec monsieur. Les gendarmes veulent tenter de comprendre et d'établir la responsabilité de chacun. Maintenant, mais attendez, venez ici, monsieur. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est depuis ce temps-là que ça marche plus. Un problème conjugal serait à l'origine de la dispute. Votre fille va venir vous chercher. Elle va arriver, ouais. Ouais, vous pourrez dormir chez elle, moi, pour la nuit. Je pense que ça sera... Parce que là, si on vous laisse... Moi, je vais revoir un petit peu la dame pour essayer de... Dans ce genre de situation... L'adjudant Lannoy doit jouer les assistantes sociales. Écoutez, madame, je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant pour vous, mais je pense qu'il va falloir que... Non, vous n'êtes pas foutu. Mais non, votre vie, elle n'est pas foutue. Attendez, vous avez encore un gamin de 9 ans, hein, vous remarquez. Mais c'est lui, ça a été propre. Ouais, mais c'est à vous de s'occuper, parce que... Il travaille pas, lui. Non, mais... Il fait travailler. Non, mais votre fils, il a besoin d'une mère. Il n'a pas besoin de... Non, mais il veut me faire enfermer tous les deux, alors. Je vous dis, c'est des moments pas faciles, mais il faut vous remonter. Hein. Il n'y a pas... C'est pas la violence qui résout les problèmes. Hein. Excusez-moi, madame. Je vais devoir casser le ressort du carreau pour éviter que vous blessiez ou un enfant se blesse, d'accord? Ce qui est bien, c'est que déjà au moins on va partir se faire soigner. L'enfant est pris en charge, c'est déjà bien une chose. La situation est apaisée, au moins pour quelques temps. Les gendarmes peuvent quitter les lieux. Ça arrive régulièrement. Bah, la cellule familiale actuellement est très souvent perturbée par les problèmes extérieurs, des problèmes de chômage, des problèmes d'argent. Après, viennent s'y rajouter parfois des problèmes d'alcool, voire des problèmes de drogue. Et tout ça mélangé, bah, ça peut faire des cocktails explosifs. Hein.